Eh bien le bonjour à tous, regardez ça. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. La petite Game Gear de la dernière fois, normalement tu l'as vu dans la VOD d'avant, on l'a autopsiée, on l'a démontée, on a changé tous les condensateurs, elle est plutôt clean, mais malheureusement, elle n'arrive pas à lire les jeux. C'est-à-dire qu'elle lance, elle s'allume, elle nous fait un petit écran noir et ça ne va pas plus loin. Donc, on va essayer de voir ce qui ne va pas, on va regarder un petit peu s'il n'y a pas un truc qui fait chier à gauche à droite. Voir si on a des bonnes tensions aux bons endroits, voir si les pistes sont en bon état, et voir également si comment s'appelle, le port cartouche est pas un peu défoncé. Voilà, c'est le projet du jour. C'est parti. Sur qu'on c'est réparable. J'ai les comptes sur les doigts d'une main, les Game Gear que je n'ai pas pu réparer. Ouais, mais toi, parce que t'es bien trop fort, moi je suis pas aussi fort que toi. Je pense pas à port cartouche, c'est vraiment comme un... Ouais, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Je pense qu'il faut que j'enlève l'écran pour pouvoir y avoir... Ah, pff, non, parce qu'après le rétroéclairage, il est chiant, parce qu'il y a quand même le tube qui est là et j'ai pas envie de le dessouder. Vas-y, tu veux pas être encore plus surexposé, toi? Voilà. Ok. Tiens, attendez, histoire de faire un peu de place. Hop. Il faut pas faire redresser l'épine. Ouais, totalement. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais remettre ça en place. Comme ça me permet de ranger un petit peu. Comme ceci. Et comme ceci. En tirant la cartouche vers l'arrière pour forcer le contact. Je sais plus si c'est ce que j'ai fait. Si je sais. J'en ai fait. Et oui, d'ailleurs. J'avais essayé un petit peu de bouger un peu, mais le port cartouche, mais ça n'avait malheureusement pas changé grand-chose. Bon, la petite carte son, elle, il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas, étant donné qu'elle est vraiment en très très bon état. Que ce soit les pistes ou autres. Contemple là, remplacement joli. Quand je fais justement les cartes son, je mets tout le temps ces condensateurs-là. Mais sinon, sur les autres, je mets pas ça. Sur les autres, je mets pas ça. Qui est à mon avis sauvage, qui était quoi? Sauvable, mais hors skill pour moi. T'intéresse en MP? Bien sûr, tu m'envoies un MP Discord et on voit ça. Je me fais toujours suer avec les classiques. Ah bah pour la carte son, c'est compliqué, hein. Pour la carte son, c'est compliqué, hein. C'est pour ça que je me prends plus la tête. Moi, je me suis directement acheté un kit là-bas. Enfin, j'ai les condensateurs en stock parce que bon, tu te fais trop chier, hein. Tu te fais bien trop chier. Ok. Impeccable. Impeccable. Donc ça, la carte son, au moins, elle m'embêtera plus. Et on va attaquer ça. Alors, le port cartouche. Le port cartouche, le port cartouche. Je regarde si j'ai pas des pins qui sont un peu plus écrasées que d'autres. Parce qu'en plus, il est en double rangée celui-là. Ce qui rend le truc chiant. Ce qui rend le truc chiant. Alors, en fait, il faudrait que j'essaye de redresser les ports, les connecteurs du fond. On voit pas grand-chose, hein. On voit pas grand-chose. Quand j'ai de pin, c'est pas simple à redresser. Ouais. Des fois, tu te dis, est-ce qu'il faudrait pas que je dessoude tout pour ressouder et voir. C'est peut-être pas la meilleure idée. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Comme ceci. Me dit, on sait jamais, un petit coup de brossage dedans, ça fait pas de mal. Pensez-y le matin. En vous levant,
Pensez à vos collègues, tout ça. Ah, si on a plus le droit de rigoler aussi, là. Hop. Hop. Je vais réessayer un petit coup tranquille, tu vois, sans se prendre la tête. Petit coup rapide. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on a bien entendu toujours rien. Alors. On est en entre-deux. Non, tu veux pas. Là, je me demande vraiment si c'est le porte-clés. C'est ça qui est étonnant. Parce qu'il y a vraiment zéro signe de vie. Ça ressemble pas à un problème de porte-cartouche. Enfin. En vrai, si, ça ressemble à un problème de porte-cartouche parce que du coup, t'as vraiment rien à l'écran et t'as pas de son. Ça ressemble quand même à une console qui détecte pas qu'elle a un jeu dans le ventre. Mais en même temps, tu vois, quand tu bouges le porte-cartouche, quand tu bouges le jeu du porte-cartouche, ça donne pas grand-chose. Et ouais, j'en ai rien à foutre, je le fais en jeu. Je le fais allumer pour voir s'il y a des réactions. Oh, j'ai un trait blanc au centre. Il n'y avait pas avant. J'ai un petit trait blanc là. C'est pas le meilleur moyen de niquer un jeu, ça. There we go. Willy poupoulip. Suis les porte-cartouches. Bon. Essayez de les redresser. Tu as essayé avec un autre jeu, bien sûr. Ouais. Oh, ouais, c'est bien sûr. C'est une game G, on peut même jouer à Red Shadow Legends dessus. La preuve a été donnée sur cette chaîne. Bien entendu, on a joué à Red Shadow Legends sur cette console. C'était ouais, très bien. C'était vraiment très très bien. C'est un très bon moment. En vrai, c'était cool. En vrai, c'était cool. J'avais bien kiffé. Bon, alors, le problème, c'est d'atteindre les ports du fond. Ça, c'est toujours un peu plus délicat. Je vais même pas les voir. Oui, non. Si je les gratouille un peu comme ça. Parce que mieux vaut commencer par les ports du fond, étant donné qu'après pour y accéder, on va écraser ceux de devant. Ça serait dommage. Ça serait un peu dommage. Je sais même pas si je les attrape, étant donné que j'arrive même pas à voir ce que je fais et que ça devrait tout à l'aveugle. Ok. Je redresse peut-être trop, j'arrive pas à savoir à quel point ils sont flex. Je sais même pas si je vais trop loin, mon focus il se fait pas au bon endroit avec mes yeux de merde. Alors ouais, si c'est. Je crois que j'ai chopé le truc. Oui, il me manque des pins, monsieur. Tu vois, il y en a un, j'arrive pas à le choper. Allez, come on, boy. Come on, boy. Ah, c'est lui.
Bon, vous ne devez pas voir grand-chose de ce que je fais. Mais c'est l'intention qui compte, non? Okay. Ça y est, je commence à pécho le truc là. Ok. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ok. Ça m'en fait pleurer les yeux. Sans être concentré là-dessus. Okay. Okay. La mauvaise poisse, le pire cauchemar pour le Game Gear, rien de pire que les épines de connexion soient tordues ou mal alignées. Impossible de jouer avec ces cartouches de jeu, c'est ça. C'est le LifeFox. Avec le millimètre, si t'as moyen de tester la continuité de ces pattes pour être certain que le souci vienne bien de là. Le problème, c'est qu'il faut une cartouche qui va bien et j'en ai pas. Enfin, une cartouche de test en fait. Faudrait créer un PCB de test pour la Game Gear. Avec des justement pads de test déportés. Pépette-toi là. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Et viens là. Alors là, je les ai tous ressortis. Je les ai tous ressortis. Bon, j'y crois pas trop, mais c'est bien accroché. Cette musique là, c'est pas la musique de d'un jeu ou autre, hein. Ça me dit quelque chose. De Arcane. J'ai l'impression de l'avoir entendu dans Arcane cette musique, mais je suis pas sûr. Non, elle veut rien savoir. Elle veut rien savoir. C'est dans Arcane, hein, on est d'accord. Comment il va le Vink? Des Worlds de League of Legends. Ah, bah c'est ça en fait. Je pense que c'est là que je l'ai entendu. Attendez, parce qu'il y a le l'aspirateur qui me répond. J'en ai besoin, j'ai eu un SAV, pas très cool, du coup la brosse. Qu'est-ce qu'il me raconte? Du coup la brosse, je suis contraint de la garder, et pour le nettoyage, j'ai mis un coup de lingette sur le robot et le collecteur, mais au niveau du conduit, j'ai pas accès, j'ai nettoyé au mieux. Juste pour rappel, vous avez bien lu que l'appareil était défectueux. Putain, mais laisse tomber, il est chiant lui, il a trop peur que je lui fasse un. Ton focus fait une crise. Calme-toi! Calme-toi, gamin! Calme-toi! Il a trop peur que je lui fasse un. Attendez. Epsil, bah alors! Et bah alors! 15e mois d'abonnement, c'est énorme! Énorme! Bonjour! Il fait frais ce matin, oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Attends, je vais juste lui répondre parce que ça serait bien qu'il me l'envoie un jour ce machin là parce qu'il me fait un peu chier là le modem là. Je vais pas vous mentir. Oui, j'ai bien vu qu'il est HS. Pas de souci, envoie-le-moi. Qu'il est HS, vous pouvez me l'envoyer
Point, merci, parce qu'il commence à me faire chier. Ça bouge toujours, mais ça c'est normal. Ah non, mais laisse tomber, mais je lui ai déjà dit en plus qu'il était HS. Je lui ai dit, comme je lui avais dit en plus, parfois il me dit, ouais, il est sale et tout. Est-ce que vous avez bien vu qu'il est. Enfin voilà quoi, c'est un aspirateur. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci, j'ai compris. Je lui ai dit, comme il est HS, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Qu'il est HS et sale, je m'en fous. Ok. Alors, quel pourrait être le problème de cette petite machine? Qu'on aille voir un peu plus loin. Et notamment de ce côté-là. Je pense que je dois avoir des pistes qui doivent être un petit peu claquées au sol. Ici on a une puce mémoire, ici on en a une autre. Au niveau de ces vias-là, de ce côté-là, je pense pas. Souvent c'est plus par ici parce que c'est là que ça a le plus fui. Mais capricieux c'est là. Ouais. Elle est un peu plus capricieuse que les autres. Mais ça arrive, hein, les Game Gear. Souvent, en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent quand j'achète une Game Gear, souvent, elle est capricieuse. Les miennes, celles qui m'appartiennent, elles sont souvent chiantes. Du coup, c'est un peu relou. Chafou! Mais c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et je commence à en avoir un peu trop. Sont solides là-dessus, le port-cartouche. Les soudures et le port-cartouche, je sais pas. J'ai envie de te dire oui, mais en même temps, je ne suis pas sûr. Un peu d'alcool iso. On va venir nettoyer un peu tout ça pour voir si on n'a pas quelque chose à se mettre sous la dent. Si on n'a pas un truc plus HS que les autres. Ça sent bien entendu encore très fort le poisson. Parce que sinon c'est pas drôle. Okay. Ok. Bon, du coup, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à regarder un petit peu les téléfilms de Noël? Parce que là, ça commence à être la saison, là. Hein. Quel enfer, ces trucs-là. Sérieux. J'ai vraiment du mal. Hein. Téléfilms de Noël, là. Pour Lolo. Pour Lolo. C'est terrible. C'est absolument terrible. J'arrive tellement pas à les regarder, ces machins. Négatif, mais cela te fera du bois de chauffage sinon pourrait au pire. L'écran s'allume, c'est qu'il y aurait une solution de réparation pas trop impossible, non? Je sais pas. Toutes les polarités aussi. Parfois, j'ai pas les yeux en face des trous et j'ai des piles qui se touchent. Sur la webcam. On va recontrôler ça. Mais en vrai, on a déjà contrôlé hier et ça avait l'air d'aller. Là, surtout, c'est qu'il faut que je regarde les vias en mauvais état et voir où ils vont. Et voir si les vias sont encore viables. Et puis voilà. La meilleure surprise, c'est ce qui reste. Putain, j'ai vu ça ce matin dans Hugo Décrypte. Aïe, 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 aïe. Belle la vie qui s'arrête. Terrible histoire que celle-ci. Terrible. Terrible, terrible. Alors, on va revérifier les polarités. Effectivement, c'est une bonne idée. Le moins est au bon endroit. Le moins est au bon endroit. Ici, tout pareil. Ici. Tout pareil. Ici c'est bon.
Ici, c'est bon. Ici, c'est également bon. Ouais, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Et ici, c'est un mec. On va avoir une journée pull de Noël au taf. J'aimerais déjà juste qu'il mette le chauffage dans le bâtiment. Ce serait déjà pas mal. Il a pété. Il faut changer la pompe à chaleur qui ne fait. Qui ne se fait plus. Et c'est pas un petit bâtiment. Ah bah bon, bon courage. Bon courage. J'espère qu'ils autorisent un petit peu le télétravail dans ces cas-là. Parce que putain. Puis t'avais l'air d'avoir un lieu. Une espèce de monastère ou je sais pas quoi là. Ça avait l'air d'être compliqué là où t'es où était ton taf. Fais voir si j'utilise ça. Est-ce qu'on peut venir nettoyer un petit peu? J'ai pas une papade de condo un peu fine. Si, c'est bon. Salut Alex. Ah fuck. Fuck dude. Ah, si ça se plante dans mon doigt et pas là où il faut, oh, ça fera un petit point de sang, c'est pas grave. Tac. 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 Ah, plus de trésorerie pour payer le chauffage. Ils vous ont pas tout dit, peut-être. Non, ça va être trop gros. Qu'est-ce que j'avais de faim pour rentrer là-dedans? Bien, avoir du chauffage aussi. Ah oui, bah, ça je me doute. Ça forcément. Est-ce que de l'autre côté... Ah, attendez déjà, regardez. Regardez, regardez, regardez. Là, on a un via. On a deux, trois vias là qui font un peu la gueule. En même temps, ils ont l'air costauds. Je vois pas pourquoi ils auraient lâché en vrai. J'ai des doutes aussi, parce qu'en vrai, le PCB, il n'est pas en si mauvais état que ça. Hein. Bon, il suffit de pas grand-chose, hein, des fois, mais... Sorry, just have to wait. Je sens qu'elle va être chiante. Sinon, j'aurais aussi pensé à un condo défectueux. C'est rare, mais ça arrive. Ouais. Bon, je pense pas. Ouais, je pense pas. C'est des condos neufs et moi, j'utilise que des condos de bonne facture. Donc, je pense pas. J'avoue, j'ai pas envie de m'amuser à tester chacun de mes condos. Là, on a essayé, le problème ne viendrait pas de la lime parce qu'on a essayé avec une alim fonctionnelle. Et pas de problème au niveau de ça. Au niveau de ça, ça va. Alors, toi, si je te prends là. Donc là, faut être assez habile de ses 10 doigts. Ok. Ça passe. Celui juste à côté. Est-ce qu'il passe également? Ok. Où il est censé aller celui-là? Où t'es censé aller toi, mon petit bonhomme? T'es censé aller là. Si t'as un via, c'est que forcément tu vas de l'autre côté. Via 500. Bon, ça va.
Matin. Peut-être une diode de morte, mais j'ai des doutes. J'ai un doute. Ok. Ça donne absolument rien. On a peut-être un via là. Hein. On a peut-être un via de DVD. Et non pas DCD. Et oui, parce qu'on se modernise un petit peu avec le temps. Hop. Come with me, little boy. Ok. Très bien. Là, on a ring. Là, on a ring, on a ring, on a ring. Bien et vous, et bah ça va. Ça va, ça va. Hop. Allez, coup dur, Isogan. Je viens de voir ton message. Coup dur. C'est chiant en plus quand c'est le vendeur qui te ment. Et salut à ceux qui arrivent, hein, mettez-vous bien. On essaye de diagnostiquer. Là, on a visiblement un via qui fait la gueule. The moment, the night is the night. N'hésitez pas à vous ambiancer chez vous, hein, bien sûr. J'adore Macklemore. Et en concert, il est très cool. Un bon pote à moi. Pas du tout. Alors, je suis où? Je suis censé être quel via? Donc, c'est censé être lui. Donc, si je fais de l'un. Ça bip. Ok. Fais voir, fais voir, fais voir. Parce que ça se trouve, c'est juste moi qui n'arrive pas à pécho le via, comme on dit. Salut Rébidio, salut Joe, comment ils vont? Le bat derrière. Ah bah bien sûr. Petit Bart que j'ai volé au daron. Ah oui. Hein. Ah bah lui, il fait fureur. Hein. Attention. Attention, attention, blague pas. Ok, là ça bip. C'est peut-être ça le problème, parce que j'avais pas une bonne accroche. Ça bip. C'est pour ça le problème. C'est pour ça le problème. PCB double couche, c'est du simple PCB double couche, tout à fait. Du simple PCB double couche, donc c'est plutôt facile de savoir ce qui ne va pas. Autre chose aussi intéressante, c'est que si demain on veut remplacer une des trois puces juste ici, on va se retrouver avec un problème, c'est qu'elles sont collées, parce que ces gars, ils ont été sympas. Et ils se sont dit, viens, on les colle, parce que pourquoi pas? C'est une console portable, et donc si elle bouge, on a besoin de faire en sorte que ça tienne. Et au détriment de. Bah, ça nous fait chier, quoi. Tu vas où, toi, dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Rien. Allô? Ça a l'air plus d'être pour le rétroéclairage. Et bienvenue à toi, Lead69. Merci pour ton follow. Bienvenue. Où tu vas? Ah, tu vas directement au connecteur. Excusez-moi, vous voyez pas grand-chose. J'ai envie de vous dire chais, mais en même temps, j'ai pas envie de vous dire chais. Ivolo, c'est le 34 volts, bien sûr. Ok. Donc, quand on compare, hein, par exemple, au mercredi soir, où les mecs ils sont là en train de danser avec leur multimètre, et quand on le fait vraiment, comme deux choses différentes. Vous en conviendrez. Vous en conviendrez.
Ok, donc j'essaye de regarder sur tous ceux, donc les VIA. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas expliqué, mais un VIA, qu'est-ce qu'un VIA? Convenons-en, bien sûr. Eux, ils ont un multimètre aiguille, ouais, je sais. On a le multimètre aiguille, hein, si on veut. Le bon binariste nous les en avait offert, hein, le même que eux, mais il est tellement claqué au sol que j'ai même pas envie d'utiliser. Pour ceux qui ne savent pas les VIA, qu'est-ce que c'est? Donc là, on a un PCB. Donc un PCB, c'est la partie verte qui est ici, avec différentes pistes. On peut le voir ici, les différentes pistes se peuvent se comparer à un fil électrique qui fait passer bah, du coup du courant, des données, etc. etc. Okay? Jusque-là, on est d'accord. Et donc du coup, on a tout ça un petit peu partout. Et donc là, on a une première couche et en dessous, on a une autre couche. Sauf que du coup, cette première couche, pour qu'elle communique avec l'autre couche, elle passe via des VIA. C'est comme ça que ça s'appelle. Et les VIA, c'est ces petits points-là. Donc ça fait vraiment un trou qui va de part et d'autre et qui permet de faire passer le courant d'une couche à l'autre. Et sauf qu'avec le temps, et notamment la corrosion due aux différents condensateurs qui auraient fui, et ben on se retrouve avec des VIA coupés. Voilà. Donc c'était pour la petite explication, bien sûr. Hop. Voilà. Donc là, on aurait des problèmes. Avec potentiellement soit un VIA, soit peut-être une des puces mémoire, parce qu'avec le temps, ça meurt. Ça meurt. C'est les VIA coupés sous les chips. Ah oui, et là c'est la fin. C'est la fin. Bah, tu réfléchis à la vie. Tu te dis, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de devenir réparateur pour tomber sur des Game Gear comme celle-ci? Et au final, tu te démerdes. Tu te démerdes, tu te démerdes. Là, je regarde vraiment ceux qui sont en très mauvais état. Celle-ci, je l'ai testée ou pas? Celle-ci, je ne l'avais pas testée, mais elle est bonne. Ok. Parce que ça peut être aussi, on a pas mal de petits composants, hein, on a Q5, etc., D5, etc. Et ça peut arriver que ces composants lâchent avec le temps. Il y a un trou rempli de cuivre sur les parois qui fait une connexion électrique entre une piste dessus et dessous le PCB. Oui. Et oui, c'est bien dit quand c'est quelqu'un dont c'est le métier qui le raconte. Ok. Donc là, mon but étant de trouver ceux qui ont une sale tronche. J'ai encore ce bruit-là. C'est quoi qui fait ce bruit-là? Sérieux? Est-ce que j'ai encore un truc motorisé? Je me demande si c'est pas mon cadre. Ça fait un. C'est où? Il est où le fantôme? Il y a forcément un fantôme qui se traîne quelque part. Il m'a vu arriver, il a arrêté. T'as peur? T'as peur? Tu veux qu'on s'explique? Tu veux qu'on se la mette? Ouais. Fais le malin, fais le malin. C'est quitte. Oh, mais ça se trouve, ben oui, c'est le seul truc motorisé que j'ai en vrai. Là actuellement, parce que j'ai le cadre aussi qui est là, et donc du coup c'est une PS1 avec la lentille, tout ça, ça peut. Après, quitte, il y a Casper. Ah ouais, non, mais compliqué. Est-ce que c'est toi? C'est toi? C'est toi ou c'est pas toi? Allez, j'écoute. Non. Lui, peut-être. Non plus. C'est pas moi, oh. C'est pas moi. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Qui fait le malin tombe dans le ravin, bien entendu. Allez, attention. Non, parce qu'hier, j'ai regardé la vidéo de. Comment il s'appelle? Je sais plus, un des gars du Lot qui dit que sa maison allait hanter. C'était assez magique. Bon, j'ai toujours du mal à croire à ces trucs-là, mais c'était cocasse. Sais plus comment il s'appelle. Il dit qu'il est dans une maison moderne. Enfin, dans un appartement moderne. Du coup, tu te dis, en vrai, c'est possible. Hein. Ça se trouve, il y a des fantômes dans les maisons modernes et tout. En plus, moi, je suis dans une ville un peu médiévale. Tout ça, les fantômes. Mais bon, ça sentait trop. C'était un peu trop limpide.
qui se passait dans sa vidéo. Je sais pas si je vous invite à aller la voir, mais je sais même plus comment il s'appelle. Il y en a peut-être qui sauront. Tu as pas de mal à y croire, en vrai, hashtag chien blanc. Alors, ça sort les privates directement au public. Écoute, il y avait de l'alcool, il y avait, et on avait parlé de fantômes sur le chemin du retour. Il y a eu un chien blanc à travers les barreaux. Effectivement, il y a peut-être eu un petit cri. Et j'ai eu du mal à m'en remettre. Ok, bon, certes, mais c'est comme ça. Il était réellement là, c'était pas un fantôme. Nous, la joue à la Ghostbuster, mais grave, 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 grave. C'est PCB multicouche avec des vias bornes, il y a des micro-vias, c'est pas tout à fait la même histoire. Ah bah oui, bah c'est pour ça que. C'est pour ça qu'ici on a de la chance et que je peux. Là, si tu m'avais dit qu'il y a une couche entre les deux, il y avait trois couches, j'aurais même pas essayé. Hein. Je me serais dit, bon, laisse tomber, c'est mort. Sachant qu'on n'a même pas les plans, on n'a rien, hein. C'est mort. Pas le bruit que peuvent faire des tout petits insectes. Ah oui, non, mais ça, oui, ça, j'ai pas de doute. Mais Julia, t'es du métier? T'es du métier? Alors. Là, ici, on a un VIA qui est un plus qui va là. C'est lui, il est bon. Et bah ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Et bah bienvenue à toi en tout cas. Cabri avec un. Alors Joe Dalton, Cabri avec un Y, c'est ban. C'est ban de la vie. C'est-à-dire que je te retrouve et je t'assassine avec du flux. Attention. Ah. Non bien sûr. Mais oui, j'ai déménagé. J'ai toujours pas fait cette commande pour expliquer un petit peu la complexité de ce déménagement. Mais qu'un jour je la ferai. Qu'un jour j'aurai envie de la faire. Mais oui, j'ai déménagé. J'ai déménagé pour des raisons personnelles. Hop. Tac, tac, tac. Je vérifie aussi qu'elle soit bien soudée, hein, ces petits composants. Cabri, c'est fini. Ah oui, d'accord. On met des Y partout, du coup. Avec le chat dans le lit, dans la cuisine. Bien sûr, j'ai la ref. J'ai la ref, j'ai la ref. Sur CNews, Ange et Démons passaient en prime time qui nous indiquait qu'il y avait des démons qui possédaient les gens tous les jours. Moi, je ne crois plus aux fantômes. Ah ouais? Moi, je crois aux fantômes. Ah ouais, sérieux? Il y avait vraiment une émission comme ça? Mais ça me fait trop rire, hein, les gens qui, du coup, qui essaient de faire des émissions sur, bah, du coup, les fantômes. Sauf que, bah, au final, les fantômes, bah, malheureusement, le peu... Bah, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. En fait, c'est simple. Suffit de regarder le grand JD. Tu regardes le grand JD, le mec, il est allé dans les endroits les pires endroits. Il s'est mis dans le noir avec tout le matos qui va bien, etc. Pourquoi au final il ne se passe jamais rien dans ces vidéos? Il n'y a pas un fantôme, il n'y a pas une représentation, il n'y a rien du tout. Jamais, rien. Donc arrivé un moment, c'est pas dans mon appart 99 qu'il va y avoir des fantômes. Tu vois ce que je veux dire? Je veux bien croire en certaines choses, mais il y a des choses où je me dis, bon, essayons de croire. Hein. Je crois plus en cette peut-être en peut-être cette Game Gear qui va repartir qu'en les fantômes. Bien sûr. Ah oui.
Bienvenue à toi, Khaled. Merci pour ton follow. Bienvenue. Alors après, j'ai rien contre ceux qui y croient. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Faites ce que vous voulez. C'est le droit de croire en ce que vous voulez. Mais moi, je vous avoue, j'y crois pas trop. Près de chez toi, t'es safe. Ouais, c'est vrai. Il faut faire gaffe. Ça, c'était vraiment le truc. Pourquoi, d'où ça sortait les cimetières indiens? Ça, c'est un film, ça. Il y a forcément un jour un film qui est sorti en mode oui, il y a le cimetière indien, il va nous manger, tout ça, tout ça. Moi, je vois que ça. Je suis tenté d'abréger les souffrances de la machine en me disant que c'est une des deux puces mémoire. Mais je suis pas sûr. Tu peux voir des pannes fantômes. Ça, on en a eu. Hein. On en a eu. Excusez-moi. Des pannes qui n'apparaissent que les soirs de pleine lune alors que tu les as testées toute la journée la machine et qu'au bout de 6 heures elle te dit eh ben non c'est aujourd'hui que j'ai décidé de te faire chier et là on est sur une belle panne fantôme mais pas des fantômes mais des esprits non mais dis donc dis donc oui je sais vous m'avez raconté c'est bon hein. 4500 c'est bon hein. Moi je pense que vous étiez tous bourrés là-dedans comment je parle à ma mère terrible. Sortir les pentacles, les scar quoi? Scarficis de chèvre et les statuettes enveloppées dans du jambon. Pour cette Game Gear, ça on peut. Oui, Ugona Call, bien sûr. Il faudrait que je me re-regarde les premiers, mais également le dernier. Le tout dernier, moi j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Et j'ai pas vu l'entre-deux avec les meufs. Il faudrait que les sacrifices, ouais, c'est bien ce que je pensais. On touche pas aux chèvres, attention. Elles ont rien demandé. J'ai pas regardé celui avec les meufs. Ouais, je le regarde. Alors, ici, on a un petit lot de VIA qui fait la gueule. Qui vient ici. Comme ça. Je sais pas s'il y a des ustensiles pour les vias comme ça, tu sais, un truc où tu viens le planter dedans. Planter le via. Le planter de via. Ah, là c'est bon. C'est bon aussi. Et là, c'est bon aussi. Ensuite, peut-être saut. Peut-être saut. Et saut. Peut-être saut. Non? Tu veux pas? Tu veux pas, tu veux pas. Ok, là, tu veux. Ok. Bah, je viens pour l'essor. Ah ouais. je danse le via. Ah. J'ai la ref. Avec je danse le mia. J'ai la ref. Ça m'arrive d'en avoir quelques-unes. En vrai de vrai, là, les via qui ont vraiment une sale tronche, ils sont fonctionnels. Hein. Ils ont l'air de faire leur taf. Hein. Ils ont l'air de faire leur taf. Ils ont l'air de faire leur taf. C'est pas si mal que ça. Ok. Est-ce qu'on ne checkerait pas les tensions en fonctionnement des différentes puces pour voir si on n'est pas censé avoir des tensions intéressantes de type intensité? Bah non, du coup, de type juste tension en fait. On va checker les tensions. Toujours rien, on sait jamais, tu sais, en manipulant un via qui se soit dit, allez, vas-y, pour le fun, pour le kiff, je refonctionne. Mais non. Que j'ai roté, c'était un 10 couches avec des micro-via dans les pads, des composants, et tout le routage en couche interne.
Ah la vache. Ça des couches externes, il n'y a rien, que du plan de masse. C'était bien drôle. Non. Ah oui, bah je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Je peux laisser avec. Ah, c'est pas bête, ça, la caméra thermique. Oh, ça fait longtemps en plus. Ah, Julia, je. Ah oui. Je te demanderai bien des photos sur le Discord, mais je suppose qu'un tel PCB, c'est un petit peu secret, secret d'entreprise. Du coup, je pense pas, mais c'est vrai que ça doit être impressionnant. Et moi qui suis hyper content avec mon pauvre PCB simple couche là que j'ai fait pour les Philips CDI, qui est pas bien en plus, qui marche pas très bien. Ouais. Pas terrible. Pas terrible. Tac, 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 tac. Alors, comment j'avais fait? Mais c'est vrai que la caméra thermique, c'est pas bête du tout. On sait jamais s'il y a pas une petite résistance, un petit compo qui ferait la gueule. Alors, si je fais ça, est-ce que le logiciel, il se lance encore? C'est pas dit. C'est pas dit. J'attends un peu parce que des fois, il met du temps. Il se lance. Bien joué à lui. Ok, on va l'ouvrir ici. Let's view. J'arrive. Donc là, il va se connecter. Je vais essayer de partager des trucs exotiques que j'ai pu faire. Oh bah grave, grave preneur. Mettre en miroir l'écran du mobile. Donc c'est good. Et si normalement j'ouvre Thermal Mobile. Que je branche ça. Que je fais ça, 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 ça. Tu veux pas? Tu veux pas te montrer à l'écran? Wait a seconde. En ce moment, j'évite de trop montrer mon écran, ça serait cool. C'est pour ça qu'il faut que je trouve un autre téléphone d'ailleurs. Faut que je prenne l'autre. Tac. Où qu'il est? Où qu'il est? Où qu'il est? Où qu'il est? Caméra thermique, là. Tu veux pas? Pourquoi il veut pas? C'est Let's View, ça a changé. Ok. Non, toujours pas. L'autre. Ça. Non plus. Faut un module spécial pour que ça marche, oui. Bah, il est où ce. Bienvenue à toi, la dodo Lela 974, bien sûr. J'en sais rien du tout, Isoyan. J'en ai aucune idée. Alors. Déjà, ça chauffe ici. Mais rien de bien méchant, on est sur un 35 degrés. Là, ça chauffouille un petit peu. Ok, ça ici, c'est la réflexion, hein. La réflexion, malheureusement, ça fait pas mal de. Alors, ici. Ça, c'est la bobine. Ça, c'est le néon. Et un peu plus proche, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose, hein. Ça, c'est le néon. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Alors, étonnamment, cette puce mémoire-là, zéro température. Il n'y a rien qui chauffe ici. Et étonnamment. Se faufile dedans et ça crée un déficit d'éteint. Mon dernier PCB était du 16 couches avec routage de DDR4 plus. Oh là 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 là. C'est des ouf. Vous êtes des ouf. Alors, effectivement, cette puce n'a pas l'air de donner signe de vie. Ça, c'est étrange. Hop, on désactive ça. Ça, je le ferme.
Donc oui, s'il y en a qui sont intéressés par la caméra thermique, hein, allez dans la commande setup. Hein. Vous tapez la commande setup et vous pouvez tomber sur la caméra thermique que j'utilise. Et donc du coup, effectivement, on a un petit problème avec cette puce-là. On va essayer de voir si elle est bel et bien alimentée. Ça se trouve, elle n'est pas alimentée. Elle est peut-être aliment V. Aliment S. Vous l'avez ou pas? Elle est pas ouf, je reconnais. Alors. De fou ces modules. Lui, c'était une centaine d'euros, je crois. 110, 120. Bienvenue à toi, Mr. Jack White. Aliment V. Ouais. Ouais. Sir Jack White qui a directement follow sur cette magnifique blague. Effectivement, je comprends, j'aurais fait pareil. Alors, déjà, si je me mets comme ça, je me mets sur un plus, ici, par exemple. Vous voyez pas le multimètre, hein, c'est pas grave, mais il fait 2 volts ici. Ici, on a 3,6. Ok. On va essayer de regarder les grosses pistes. Ce sont souvent des pistes d'alimentation. Là, j'ai 2,1 volts. Ici, j'ai 5. Ici, j'ai 5 aussi. Les 5 visiblement qui viennent de ce petit système-là. Salut Eliav, salut à ceux qui arrivent, mettez-vous bien. Mettez-vous bien, on s'occupe de cette petite machine. 2,5. On a bien de l'alimentation. 3 volts. 4 volts. 2,7. 1,9. 2,7. On a un datasheet de ça. Je pense que non, ouais. Je pense que c'est plus mémoire là. Malheureusement, on n'a pas de datasheet. Parce qu'elle, elle chauffe. Mais elle ne chauffe pas. IC3, il sert à quoi dans la vie sur une Game Gear? Elle est peut-être claquée. Elle est peut-être claquée. Après, les mémoires, quand elles sont claquées, c'est quand même plus souvent qu'il y a un problème de. Bah, tu le vois, en fait, elle chauffe. ICO, matelot. IC3, IC3, Sega. Game Gear. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Le IC3. Il faudrait peut-être que j'aille voir sur. Comment que ça s'appelle? Console 5 Wiki. Ça, c'est bien ça. Console 5 Wiki, c'est bien ça. Console 5 Wiki. Et là, peut-être. Alors, peut-être. Faut que je fasse quelque chose avec ma souris. Le fil, il est trop. Chiant. By console. Je vous montre ce que je fais peut-être. Ça peut être bien. GameCube Game Gear. Très bien. Alors. Ça parle bien entendu. IC3. SC1. Donc nous, c'est pas une Twin ASIC. C'est une single ASIC. Et IC3, système RAM 8 kilobits machin. Ça existe, Power? Ça existe. On a le VCC en 28. Le 1 n'est pas utilisé. On a un ground ici. Et après, on a différents pins de data. Est-ce qu'on a un enable quelque part? Device include. D'accord. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je te crois. Donc, on a VCC ici, pin 28. En face du pin 1 qui n'est pas utilisé. Donc ça, c'est bon. Le VCC est bien utilisé. Mais normalement, le VCC, il est en deux. Oui, il est deux fois. Ok. Ok. Est-ce qu'on a un enable? On a un OE ici. On a un CE2 CS ici. On a un CE1 et on a un WE. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et la note, comment qu'elle se prénomme? Son petit nom? C'est une MB. MB 8464A. 8464A. 10L. Et ben alors. Ça existe même en 9. Donc si je veux les remplacer, c'est possible. Moi ce que je veux, c'est le data sheets. Fujitsu. C'est beau. C'est beau quand c'est de la marque. Alors.
10W, je suppose que le W, le L, etc., ça correspond à quelque chose genre le boîtier. Alors, c'est tout ce qu'on va avoir? Tu veux pas me filer le PDF directement? Je te remercie. On va avoir quelque chose de net. J'ai un doute. C'est tout ce qu'on a là? On peut pas avoir plus. On est sur quelque chose d'assez ancien, je dirais, pour rester poli. On a un read et un write. Là, je peux essayer de la remplacer. Je regarde dans celle que j'ai, là, dans les cartes mères que j'ai, on la remplace, on voit. Le seul souci, c'est que pour la remplacer, bah, une fois de plus, il y a de la colle en dessous, et c'est un peu chiant. Mais cette fois-ci, maintenant, je le sais. Donc, je sais qu'il faut que je chauffe jusqu'à ce que l'étain soit fondu. Et une fois qu'il est fondu, je force avec un tournevis pour arracher la colle. C'est ça qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est bien tout. J'arrive pas à savoir s'il y a un truc pour enable ou pas. Parce qu'on a le VCC qui est là et le ground qui est ailleurs. Mais je sais pas si on a un enable. Parce que souvent on peut. Enfin, des fois ça dépend. True stable. Qu'est-ce qu'on a? Supply current. Je sais pas ce que ça veut dire. Not selected. Out disable. D'accord. Read write. Ok. Ça, pareil, hein, tout ce qui est data sheet et tout, hein, ça fait partie des choses que je maîtrise pas totalement. Des choses que je n'ai pas étudiées à l'école. Hein. Enfin, peut-être que si, mais c'est des trucs que je faisais pas à l'époque. Ça m'intéressait pas le matériel. Moi, je voulais que le logiciel. Input high voltage, minimum 2,4. VCC plus 0,3, le maximum. Input low voltage, moins 0,3. Et max 0,6. D'accord. Sinon, on est entre 4,5 et 5,5. Donc ça, on est bon. Température ambiante, on est bien entre moins 55 et plus 125. Ça, c'est bon aussi. Ok. Alors, tiens, fais voir. Active supply current, 70 milliampères. Ça, pareil, ça, je sais pas faire. Je sais pas faire. Je sais pas si ça consomme. Mais là, au vu de ce que ça dit, je pense pas que ça consomme. Type enable to output. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tic, 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 tic. Bon. On tente de la remplacer, je regarde si j'en ai une en RAM. C'est de la colle ou c'est de l'époxy? Je crois que c'est de la colle. Bonjour, tu as Discord? Oui. Ok. Je vais regarder si j'en ai une en stock. Cage, cage, cage. Parce que du coup, il me faut. Hop, ça tombe bien, j'en ai trois là, mais je vais pas avoir de single ASIC, parce que j'en ai rarement des single ASIC, mais peut-être qu'avec un peu de chance, la mémoire est la même, même si j'ai un doute. C'est la même. Ça a l'air d'être la même juste ici. Mémoire ici. Ah bah voilà, j'en ai une là. J'en ai une là. Vas-y, on va essayer de la récupérer, on va voir ça. On va sortir l'air chaud. Je regardais s'il n'y avait pas moyen d'avoir une info de type enable, disable, mais en vrai, on va la remplacer et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ça, on va dire être le plus simple. Quel était le problème sur celle-ci déjà? C'est quoi ton problème à toi? Écran blanc. Écran blanc. Ok. Donc on va enlever ça et on va voir. Ok. C'est le signal chip enable. Ouais, mais je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. Je sais pas où il est dans le datasheet de cette chose. Hop. Ça me fait penser, il faut que je remette des VOD en ligne, tiens. Il y a longtemps j'en ai pas remise.
C'est pas que ça fait longtemps, c'est que je crois qu'elles arrivent à terme là. Oh, ce son. J'adore ce son. Excusez-moi, je renifle comme un énorme porc. Les misophones m'adorent. Ok. CE1 et CE2. Reprenons ça rapidement. CE1, CE2. Pour du coup, chipenable, je suppose. Il y en a deux. CE1, CE2 qui sont. Qui sont, qui sont, qui sont. J'ai un CE2 pin 26 et j'ai un CE1 pin 20. Et donc ça, c'est censé être mes chip enable et ils sont censés être à quel état? Pas de 20 et 26 de IC4, ok. Nous, sur celle-ci, c'est IC3, mais ça change pas grand-chose. Et ils sont censés être, du coup, à quel état? Ils sont censés avoir une tension, ils sont censés avoir quelque chose. Une poids dit-il. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Là, j'ai 3 volts. Et pin 20. Donc, 15, 16. Ah, bah non, pas du tout. Attends. Pas du tout. Enable, il est pin 28. Enfin, il est pin 26. Donc. Attends, fais voir. Ah bah si, il est bon, lui il a 5 volts. Hein. Lui il est à 5 volts parce qu'il est relié en direct à cette piste-là. Et donc CE1, qui est pin 20. Et donc on a dit 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et aussi à 5 volts. Donc on est bon. CE1 est à bas, CE2 est à haut. Ah! Bah, CE1 là il est à 5 volts et CE2 il n'est pas à 5 volts. Enfin il est à 5 volts aussi, les deux sont à 5 volts. C'est-à-dire de bien casser la tête. Ah oui, bien sûr. Sinon ça c'est pas simple. Bah alors du coup pourquoi? Attends. 1, 4, 5. C'est pas bon ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ah c'est moi qui mesurais le mauvais. Je suis à 3-3. Je suis bien à 3-3 sur le pin 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Attends. Quinze, 16, 17, 18, 19, 20. Non, je suis à 5 volts, j'ai rien dit, je suis à 5. Électronicien ou juste passionné? Juste passionné. Passionné. Tout en autodidacte, effectivement. D'où mes non-compétences sur plein de sujets. Donc là, je suis pas censé être à 5 volts. C'est ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Non? Et pour... Mais attends, c'est bizarre. C'est bizarre parce que il n'y a pas de via sur ce machin, à cet endroit-là. C'est bizarre. CE1, pat, 20 à 0 volts normalement. Et si je la lève du coup? Peux la lever et on voit ce que ça dit. Même si elle est dans cet état-là, c'est que, à mon avis, lui, il n'envoie pas l'info. CE1 bar. Ah ouais? C'est-à-dire que c'est lui qui n'envoie pas l'info de lui dire allume-toi quoi. Je peux lever la papatte, mais je suis pas sûr que du coup ça change pas grand-chose. Peut-être que lui, il est juste pas content. Mais on peut essayer de le soulever. On le soulève. On le défonce. Direct. Mmh.
J'ai plutôt la continuité. Je suis pas censé. Je sais pas à quoi il est censé être relié en fait. C'est un problème. C'est un peu ça le souci. Pin 20, t'es censé aller où toi, frère? Ah mais il y avait le datasheet qui était fourni en fait. Trop bête le mec. Je sais pas à qui il est censé être relié en fait. Sur l'autre. Parce qu'en vrai, ça a l'air d'être caché en dessous. Et je n'ai pas de. Je sais pas à qui c'est censé être relié. Je vais me mettre en continuité. Je vais me mettre dessus. Et je vais checker au pif à des endroits. Et on verra. Et on verra. Donc je me mets genre là. C'est bien lui, hein. 15, 16, 17, 18, 19, 20, c'est ça. Si je me mets genre là. Je sais pas si c'est lui hein, qui est censé enable la chose, mais. Okay. J'aime pas cette musique. Non. Non plus. Peut-être là-dessus. Non plus. Ce serait pas un des chips là. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Oh, y a rien. Oh, y a rien. Question. Vous savez où je pourrais faire référence à virer de réveil américain des années 80. Il est grillé suite à une boulette de ma part. C'est un cadeau d'anniversaire. Compliqué ça. Hein. Compliqué. Hein. Moi j'avoue, je fais pas trop ce genre de choses. Je vais tenter les VIA qui sont tout autour. Continuité bonne. Ok. Pour l'instant, je sais pas où ça va cette merde là. Ça va nulle part. Pas de 20, IC4 relié à IC2, pas de 6 ou 8. Pas très lisible. Pas de 26 de IC4 relié à 5 volts. Ça 26, elle est assez sûre. Ça, j'ai pas de doute. Pas de 20, tu dis à IC2. Et du coup, je suppose que IC2, c'est censé être lui. Bon, maintenant que j'ai mis du flux sur celle-ci. On peut checker parce que là, du coup, c'est plus le PCB que tu as trouvé. Je vais juste nettoyer vite fait, tant pis. Une fois, je mets du flux. Ok. Alors, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et tu dis IC2. IC2, pâte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bel et bien la pâte 8. Ok, sur celui-ci, mais celui-ci, c'est un twin. C'est pas un single. Ok. Ok. Très bien.
Vous avez testé les condensateurs. Les condensateurs sont neufs. Directement. Directement neufs. Et donc là, sur un single ASIC, est-ce qu'on a les data sheets de ça? Parce que du coup, on pourrait trouver la correspondance de la PAT 6 IC1, qui est lui, je suppose qu'on ne va pas la trouver, parce que sinon, c'est pas drôle. Et tu as dit que c'était censé être lié à IC2. IC2 qui est le VDP. Tac. Et on n'a bien évidemment aucune info là-dessus. Ça, quel plaisir. Bien sûr. Donc normalement, c'est censé être lié à ça. Lui, là. Cécile Daryl, comment tu vas? On a peut-être une piste HS là-dessus, mais toi, t'es censé être lié à qui? Et bien sûr, Sylvain, hein, que vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch, hein, bien sûr. Il fait des lives notamment sur du rétro gaming de qualité. N'hésitez pas. Bien sûr. Alors par contre, ça serait étonnant que du coup, ce soit pas relié, mais du coup, on est 5 volts, c'est pas bizarre, hein? C'est pas un peu chelou? Même si je fais ça comme ça. Trouver. Ça va sur ce via. Via de l'autre côté. Qui ressort où? Qui ressort où? Parce que du coup, il est sous là. Hein. Il va là. Il va là. De là, peut-être. Non. Où est-ce que tu t'arrêtes? Salopard. Où tu vas? On va enlever l'écran pour voir. C'est sur pad 20 de IC3 relié à la pad 127 de IC1 sur le single ASIC. Il est fort. Pad 127. Oh, ça va être long à compter ça. Ça va être long de trouver 127. Et bienvenue à toi, Retro Gamer HDF. Merci pour ton follow. Oui. Testons la continuité. Pas de 26, bien sûr. Là, on l'a. Alors, attends. Ça allait là. Tout là. Là. Oula. Qui a fait ça? Et merci Dra Oh là là, Dragon Slayer Master, bien sûr, qui lâche son plus beau 13e mois d'abonnement. Et salut à toi. Merci beaucoup pour ton 13e mois d'abonnement. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Ok, ça va là. Ici, on retourne. Donc de là. Donc déjà, si je fais ça, tout ça, c'est bon. Jusque-là, on y va. C'est le bisou. C'est ceux qui arrivent, mettez-vous bien. Là, on cherche des pistes. C'est génial. Alors ça. On cherche ça. Hein?
Ok. Là, on est bon, on arrive là. Check, hein. Et toujours rien. Toujours toi. Toujours toi. Sauf que là, du coup, c'est un peu plus tricky pour essayer de le trouver. Excusez-moi, hein. Du coup, une petite concentration. Vous vous doutez bien que c'est pas simple. Surtout quand on arrive à un endroit où il y a plein de vie. Hein. Trouver. Tu fais quoi toi dans la vie? Oh bâtard. Voilà. Et c'est là que c'est la merde. Parce que là, je suis en dessous, je présume. Bah oui, je suis sous le single ASIC. Et c'est là que c'est chiant. Parce que là, j'ai encore ma continuité à cet endroit-là. Je te mets là. C'était où? C'est là. Donc de là, c'est bon. Ok. C'est l'heure de l'apéro, c'est trop tôt. 11h20, en vrai, tu peux commencer l'apéro. Tu peux commencer l'apéro. C'est autorisé. On est dans les heures légales. Ok. Donc de là, c'est bon. Et donc là, en fait, il faudrait que j'arrive à savoir qui... Pas de continuité, elle n'a pas de 127, mais il faut trouver la 127. Il faut trouver la 127. Parce que je ne sais pas combien il fait lui. La patte 1, visiblement, elle est là. Étant donné qu'on a le point ici. Donc, on est à 1, 2, 3. C'est 5 ou c'est 10 le point là? Ça a l'air d'être 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ah, il n'y a plus les points là. Il n'y a plus les points. C'est sympa ça, les gars, ça. Ça c'est cool hein. Changez rien. Vous êtes les boss. Super, un peu les points. Bon, on va faire l'inverse. Il fait combien lui? Il fait combien de papoutes? Il fait combien de papoutes? Bon, je présume que de toute façon, si je dois retrouver une continuité, c'est par ici. Hein. C'est par ici. Oh, si je l'ai. Elle est là. J'ai bien une continuité. Tout à l'heure, j'ai dû aller trop vite sur la patte 127. Donc lui, il envoie bien 5 volts ici, alors qu'il n'est pas censé. Ça se trouve, c'est pas elle hein, qui est morte. Hein. Ça se trouve, c'est lui qui détecte pas lui. Et donc du coup, il envoie pas. Il envoie pas la, enfin, il envoie une tension en lui disant t'as vu tout ça. Compliqué. Il dit qu'il était toujours l'heure de l'apéro quelque part dans le monde. C'est vrai, ça. C'est bien vrai ce que tu dis là. C'est bien vrai ce que tu dis là. Buvez de l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il paraît qu'on m'a envoyé un schéma tips.
dans en stream. Oh, merci Fred. Oh, c'est beau ce que tu m'envoies là. Putain, la vache, comment ça se fait qu'on a accès à ça? C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. D'accord. Donc en vrai, non, le 127, il est bien relié. Par contre, pour qu'il lui envoie 5 volts, donc c'est-à-dire que c'est bien IC, lui, qui envoie bah, du coup du courant à celui-ci pour lui dire ne t'enable pas. Il est peut-être bien là le problème. Sauf que du coup, il n'y en a plus. Il reste 10 ans, les gars. Merde. On n'a plus d'eau. On a bientôt plus d'eau. Oh, terrible. J'ai froid. Ça y est. Il fait combien pour que j'ai froid comme ça, là, sérieux? Non, mais. J'ai un thermomètre de piètre facture. Ah, il fait 19. Un jour, vous allez me voir me pointer, je vous le dis, en plaid, en stream. Vous n'allez pas comprendre. Alors, on a ça. Ça me rappelle des souvenirs de méga CD. Ah bah même le Vietnam, c'était plus joyeux, quoi. Bon, j'en fais peut-être un peu trop. Mais IC3 qui est là, qui est là, qui est là, qui est relié visiblement à... C'est le port cartouche, ça? CN1, ça devait être le port cartouche. Si CN1, c'est le port cartouche, ok. Je dirais moins 8000, ouais. 20,1, je composais le 17 direct. Ah ouais? T'appelles la police? Moi j'appelle le 911 direct. Hein. Moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Hein. Tout est relié à ce truc-là. Hein. Vraiment tout. Hein. Trouve c'est IC1 le problème. Hein. Et si c'est IC1 le problème, c'est la merde. Ah, le 34 volts, il va dans le port cartouche. Tu vois, je savais même pas. On a le 5 ici. Puis après, t'en as plein qui vont à gauche, à droite. Les ports d'adresse ici pour aller récupérer la mémoire de la cartouche. Et qui vont directement, étonnamment, à IC3. Allez, cherche pas. Hein. C'est peut-être. Ouais, je sais pas. C'est peut-être ça le problème. Hein. Oscilloscope time. Ah ouais! Du hot tub pour se réchauffer. Oh ouais. Coûte trop cher à appeler. Ah ouais, mince. Dit le mec qui a réparé. Ouais, mais c'est pas pareil parce que quand tu répares une voiture sous la pluie, tu bouges. Là, pour réparer une Game Gear par 19, bah tu bouges pas beaucoup. Tu bouges pas beaucoup. VCC qui est là, qui est bien relié au ground, et qui est également réper... normalement, qui est normalement relié à lui. Et CE1 qui va là. Du coup, là, je suis plus en plus en train de me demander si c'est pas un problème de port cartouche en hein, cette histoire. Parce que la mémoire, elle n'est pas enable, mais ça vient, ça viendrait de IC2, de IC1 plutôt, qui n'envoie pas la bonne info. Mais sauf que IC1, je pense qu'à mon avis, il est censé être lié. Mais je ne sais pas qui fait la transition, tu vois, parce que de D0 à D7, tu vois, ça va directement au port cartouche. Mais en même temps, ça c'est les contrôles. Il y a marqué contrôle. Contrôle, ça veut dire quoi? C'est le contrôle de la puce mémoire alors.
Là, on a les pins d'adresse qui vont là, ok. Pins de data qui vont là aussi. Mais qui sont également dupliqués et qui vont ici sur IC. Enfin, pas dupliqués, mais qui se divisent et qui vont aussi sur IC1. Et pareil pour E. Ça fait beaucoup de choses, hein. Et c'est donc là que tu te retrouves vite avec un problème. C'est que tu te retrouves avec. Bah, beaucoup trop de pistes à tester pour une Game Gear. C'est chiant à dire, mais c'est le cas. Quoique, en vrai de vrai. Sais pas. Je suis dubitatif. Salut Clotilde, comment tu vas? Clotilde, hein, que vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch, bien sûr. Elle fait des lives sur du crochet. Et du jeu vidéo de temps à autre. Je vais pas vous mentir, je suis dubitatif entre m'arrêter avec cette console parce qu'elle me prend trop de temps. Et continuer à essayer de savoir ce qui ne va pas. Ce que je peux faire, au moins, c'est refaire les soudures du port cartouche. Je me dis, au pire, tu vois, on sait jamais, même si elles ont pas une sale tronche, on n'est pas à l'abri d'une soudure un peu défaillante. Salut les grippes. On n'est pas à l'abri d'une soudure défaillante. On peut essayer. En plus, on n'a pas soudé. Il fait 20 dans mon bureau. Et bienvenue à toi, Greg. J'arrive et je follow directement. Eh ben, bien joué à toi. Et bienvenue. Bienvenue à toi, Docteur Fou. Merci pour ton follow. Ok. On va refaire rapido les soudures de ce côté-là. Donc ça va être relativement simple. C'est tu prends le fer à soude, tu prends un peu d'étain et tu en rajoutes sur chacun des pannes. Alors il y en a qui sont forts, tels Retro Redrum, et qui eux vont encore plus loin que ça. Hein. C'est ils enlèvent la vieille soudure à la pompe à dessouder. Et ils viennent ressouder. Enfin, ils viennent vraiment remplacer l'étain. Moi, j'ai pas ce courage-là. Je le dis tout de suite. Hein. Et donc, voilà. Tu prends ton temps. Tranquillou. C'est relativement simple. C'est pas bien méchant à faire. On remet bien entendu de l'étain au plomb pour avoir une belle soudure bien solide. On n'en met ni trop ni pas assez.
Ah, les gars. Est-ce qu'on ne ferait pas un test? Hop. Ripoy. Bah tant pis, hein. En vrai, je vous avoue, ça me fait chier déjà de passer autant de temps dessus. Je pense vraiment que ça doit être un VIA qui va pas entre... Allez, on va essayer avec un autre jeu dans le doute. Même si j'y crois si peu. Parce que lui, il fonctionnait bien. Déjà testé et tout. Rien du tout. Oui, un jeu GBA. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que bannière? C'est masse. Faut déjà essayer. Bah ouais, hein, j'avoue que là, on a passé déjà pas mal de temps dessus. Je vais pas vous mentir. Tant pis, hein, c'est 20 balles de perdu. Enfin, c'est pas vraiment perdu parce qu'on pourra toujours le réutiliser. Je pense qu'on est sur un VIA claqué. Vas-y, on va essayer le jeu McDo là. Mais bon, arrivé un moment, faut s'avouer vaincu. On a passé combien de temps dessus là? On a passé, je crois, 3 heures hier et aujourd'hui là, on est à 1 heure et demie dessus. Bon, arrivé un moment, voilà quoi. Il faut savoir s'avouer vaincu. Ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. C'est pété, c'est pété. Et tant pis. T'as rien d'insister. C'est comme ça. Elle a décidé qu'elle voulait pas jouer avec nous. Eh ben, elle jouera pas avec nous. Tant pis. Sûrement un billet de claqué. Un jour, je vendrai mes lots de cartes mères. HS. Et puis. Bon, au moins j'ai une alim et une carte son de fonctionnel. Une coque. L'écran pourra servir. Ouais, j'avoue que si j'ai un écran à remplacer, je remets pas un d'origine. Hein. Vu comme c'est chiant à installer, je préfère remettre un IPS directement. Mais je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé essayer les nouveaux écrans là qu'ils ont sortis dernièrement. Je remettrai elle en place. Salut Dragibustier. Non, c'est comme ça. Ils ont sorti des nouveaux écrans là, des vrais IPS là, et j'aurais bien aimé l'essayer justement avec celle-ci, mais malheureusement. Ouais. Elle est plus forte que moi. Et je pourrais mettre un beau message dessus. Ne détecte pas. Hop. Ne détecte pas le jus. La machine pour micropuce, c'est-à-dire qu'est-ce que tu appelles une machine pour micropuce? Genre 240 degrés pendant 20 minutes. Est-ce que c'était un poulet? Est-ce que c'était un poulet frit?
Hop. Je comprends pas ce que tu racontes, l'ado. Je comprends pas. Je sais pas ce que tu me racontes. T'as le truc ou pas? Quel truc? Tu as la machine pour micropuce. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que t'appelles une machine pour micropuce? Grillé à point. Toujours. Il n'y a pas le son d'activer, merde. Bah, je sais pas. Ok, je vais la remettre dans sa coque. Pour reprogrammer. Ah oui, d'accord. Comment tu voulais que je devine ça? Bah écoute, ça va, encore un peu enrhumé, mais ça va. Mais oui, pour reprendre les puces, bien sûr que. Enfin, ça dépend de quelle puce, mais on a ce qu'il faut pour reprogrammer les BIOS ici. On l'a fait encore dernièrement sur trois cartes mères. Ce sont les puces sous-cutanées qu'on met dans les animaux. Non, donc la machine pour les reprogrammer. C'est l'appareil. L'appareil quoi? T'en fais. Il est complètement dingue. Quoique non, en fait, faut pas que je la remette dedans. Faut pas que je la remette dedans. Parce que bah si j'ai besoin de bah déjà d'un kit condensateur, il est déjà tout prêt ici. Il est déjà tout prêt. Faut pas se prendre la tête. Tac. Ok. Ok. Et ben, je vais mettre ça de côté. Là, je vais mettre Alim. Ok. On va mettre les petits mots pour savoir ce qu'elles ont. C'est me demander comment tu vas. Hop. On prend ça. Anime. Ok. Carte son. Non, tester. Ah, oui. Et bien sûr, le Blood Monday que vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch. Et oui, ça fait du rétro gaming notamment. N'hésitez pas. Carré et l'autre rectangle, c'est deux trucs différents. Bon. Ok. So. J'enlève les boutons. Tac, tac, ça on enlève. Toujours un peu de tri avant de tout remonter. Hop, le joint, on le garde. Ok, ça c'est cool. On prend ça. Tu m'as pas répondu. Je sais pas ce que t'attends comme réponse. Je sais pas ce que t'attends comme réponse là. En fait.
que là, il n'y a rien à reprogrammer là-dessus. Hein. C'est deux puces mémoire. Hein, donc, il y en a une, c'est une puce propriétaire, l'autre, c'est une puce mémoire. Je sais pas ce que tu veux. Je sais pas ce que tu racontes. Je pense qu'on ne parle pas. On ne se comprend pas. Alors. Tac, tac, tac. Normalement, je dois avoir un endroit où j'ai tous les boutons et toutes les nappes. Juste ici. Du bus de la console, ouais. Bah, ça se reprogramme là-dessus. Hein. J'aime voir s'il y a vraiment un BIOS hein, dans une console comme ça. Hein. Je range un petit peu tout et on va attaquer la suite. Hop. Et hop. Et les vis. Et je parle pas des jeans, bien entendu. Tac. Donc rien n'est jeté, rien n'est perdu. Si on a besoin de remettre d'origine la machine, enfin une machine du moins, c'est possible. Bah j'ai perdu une vis, comme d'habitude. Pour une fois, c'est pas tombé dans la poubelle, heureusement, mais ça a dû tomber ailleurs. Tant pis, je la retrouverai quand je déménagerai. Les puces, j'ai vu Retrodome utiliser cet appareil et les tests des puces micro-puces. D'accord. Mais c'est peut-être ça, mais dans ce cas-là, je ne l'ai pas. Dans ce cas, je ne l'ai pas. Okay. Tac. Et normalement, c'est tout bon. On va écrire ce qu'elle a à la carte mère, c'est-à-dire une vie de merde. Et voilà. Tokyo. Hop. Détect. Oh, je sais pas écrire, je comprendrais. Détecte pas les jeux. Voilà. Je comprendrais. On dirait qu'il y avait il y avait une lettre qui était pas au bon endroit. Hop et hop. Ok. Ok. On va attaquer autre chose. Jeunes gens qui sont sur YouTube, c'est la fin de cette VOD. Bah vous avez vu qu'on n'a pas réussi. Tant pis, on aura tout essayé, on a testé des pistes, on a testé des tensions, on a testé plein de choses, mais ça ne fonctionne pas. Des choses qui arrivent. C'est comme ça. Des bisous sur YouTube. Bye bye.